2016-2017 ont été des années exceptionnelles, avec des taux qui ont continuellement baissé. Ce début d'année 2018 confirme une stabilité des taux, et avec aussi des banques qui sont très très dynamiques, avec une volonté de capter de nouveaux clients. Donc je vous confirme que la période est idéale pour les nouveaux acquéreurs. Les primo-accédants sont très recherchés par les banques car le prêt immobilier est vraiment le levier pour capter de nouveaux clients. Certaines banques vont accorder des enveloppes de crédit à taux boosté à 0, 1%, qui vont compléter notamment le prêt à taux zéro 2018, qui est accessible dans la construction, mais aussi dans l'achat d'anciens avec travaux dans les zones rurales, en ce qu'on appelle en zone B2. Aujourd'hui, et quel que soit l'âge des clients, le constat est clair, la majorité des emprunteurs passent par un courtier. Les banques le reconnaissent, les courtiers en crédit sont devenus les spécialistes du financement qui vont négocier pour leurs clients le meilleur prêt adapté à leur situation. À noter que solliciter un courtier n'implique pas un changement de banque, puisque la banque du client sera obligatoirement sollicitée. Les banques, bien que dynamiques sur l'octroi de crédit, sont très attentives à la qualité de la présentation du dossier. Elles vont analyser la situation financière et le bien immobilier, notamment par son emplacement. Pour ce qui est de la situation financière, il est important de présenter un dossier avec des relevés de compte sans incident de paiement, idéalement un peu d'épargne et bien sûr une situation professionnelle stable. Pour vous rassurer, nous obtenons régulièrement des accords de financement lorsque l'un des deux emprunteurs est en intérim.